Ça a du sens pour vous? J'ai littéralement craqué, les gars. Ça y est, j'ai pété un câble. Hey, mes pépitos, comment ça va la vie? Est-ce que on peut noter cette intro? Juste incroyable. Et là, très certainement, vous allez me dire, mais meuf, tu nous fais quoi? Ah oui, et puis maman, c'est normal, hein, d'accord, je me suis pas blessée, rien du tout, c'est juste que il y a certains mouvements quand je fais qui me fait un peu mal, alors du coup j'ai décidé de maintenir un peu mon poignet. Vous inquiétez pas, je vais bien, tout le monde va bing, mon poignet va bing, c'est juste qu'il fait un peu le kung. Voilà, et je sais pas pourquoi je prends cet accent, tout va bien. Donc revenons à nos petits moutons. J'avais donc envie de mettre ma signature sur YouTube, et vous voyez, du coup, vous connaissez les vlogmas pour Noël, les vlogmas pour Enjoy Phoenix, ou alors les vlogs d'août pour Lena Situation, mais moi, je n'avais pas du tout envie de faire des vlogs. Déjà de 1 parce que ma vie n'est pas palpitante, alors que peut-être plus tard je pourrais vous faire des vlogs si toutefois ma vie a quelque chose d'incroyable à raconter. Mais pour l'instant on va se contenter de juste faire des vidéos sur YouTube durant tout le mois de novembre. Du coup, en sachant ça, est-ce que la raison de mon absence sur YouTube durant le mois d'octobre est un petit chouïa? Excusez. Durant ce mois, je vais mélanger absolument tout type de vidéos, puisque vous avez bien compris, il n'y aura pas de vlog, mais du coup, je vais mettre du make-up, peut-être du vlog, si j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter, on verra. Il y aura certainement du podcast, un peu d'astrologie, de cartomancie, enfin bref, une panel de choses que j'adore aborder avec vous. Hop hop hop! Je sais ce que vous allez faire. Vous allez certainement nexter, mais restez avec moi parce que durant tout ce mois de novembre avec moi, voilà, vous avez compris, il n'y a pas que les vidéos, je vous ai réservé quelques surprises. Donc, zieutez chaque vidéo, s'il vous plaît, parce que du coup, dans certaines, vous êtes pas prêts, les gars. Je tiens à préciser également que je ne me suis pas mise de pression quant à ce challenge du mois de novembre. Donc, il se pourrait que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y ait des jokers de pause. Voilà, ça peut arriver. De toute manière, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais je vais faire un maximum pour remplir ce mois de novembre avec vous. Et très certainement que le nom dédié à cette série de vidéos risquerait de changer, parce que là j'avoue que c'est pas très recherché quoi, ça fait pas très perso, c'est pas hyper waouh, vous voyez. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire exploser la barre des commentaires, parce que moi là, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. D'accord. Bref, si tu aimes déjà ce type de surprise, je t'invite à liker la vidéo. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien fais-le, parce que la Pépitos Family, elle attend que toi. Voilà, ça prend 2 petites secondes, juste ici, ok. Et bref, maintenant que je vous ai tout expliqué, que je vous ai tout raconté, ma vie, etc., je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, depuis le temps que vous me demandiez cette vidéo, je vous la sors enfin, et on ne se fout pas de ma tronche, mais c'est vraiment ma tête au réveil, donc un peu d'indulgence. Je débute par m'attacher les cheveux et après je me nettoie le visage. Ici j'ai utilisé un savon que j'ai piqué dans un hôtel quand j'y ai logé, car avec notre ami le Covid, et ben je ne voyage plus. Et je désirais vraiment déstocker les réserves de format mini. Il m'arrive quand j'en ai besoin de faire un gommage, et moi j'utilise en ce moment celui de chez Tizao à la verveine et au citron, qui laisse une peau absolument douce et hydratée. Voilà. J'essuie délicatement mon visage, mais pas complètement. En ce moment, je teste la technique d'Ellie Bieber qui laisse sa peau humide, car elle trouve que les soins y pénètrent mieux.
Alors je vous en redirai des nouvelles, et la nouveauté en ce moment c'est que je me masse le visage. Après j'applique mon sérum de chez W7 pardon, à l'ananas contenant de l'acide hyaluronique, et franchement je ne suis pas 100% convaincue par ce produit, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Afin de me réveiller ou du moins m'y aider, j'applique une eau tonique. Celui-ci vient de chez Aileen et il est vraiment doux, pas agressif, aide à garder la peau en bonne santé. Il est vraiment top. Pour mon contour des yeux, j'utilise celui de la Roche-Posay qui a un effet anti-âge, anti-fatigue, qui aide bien à hydrater l'œil grâce à cette texture gel qui repulpe les poches. Et franchement, je l'adore ce petit produit. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez vu un changement, parce que moi ça fait pas depuis longtemps que je le teste, donc dites-le moi en commentaire. Mais moi je trouve qu'il y a déjà un bon effet, donc moi ce que j'essaie de faire en appliquant le produit c'est d'étirer la matière de l'intérieur de mon visage jusqu'à l'extérieur pour vraiment en fait réveiller et faire un peu péter le produit en fait pour que ma peau boive le plus rapidement possible, on va dire ça comme ça. Je laisse bien pénétrer le produit et je dépose ma crème de jour, vous la connaissez maintenant, il s'agit bien de la marque Yves Rocher qui est un produit chouchou. Je suis en train de déstocker absolument tous mes produits soins en ce moment puisque je suis une véritable collectionneuse, moi j'adore tester les produits soins, c'est vraiment mon dada. Mais là j'ai décidé de vraiment déstocker de tout, d'arrêter d'acheter en fait et voilà, donc je l'applique sur tout mon visage, me fais un bon massage, j'en applique dans le cou également, très très important parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette zone. Et pour mes lèvres, je dépose le soin hydratant et primer de chez MAC qui me permet à mes lèvres donc de ne pas gercer, il est vraiment top. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, ciao.